Hello tout le monde. Alors je sais pas qui est là, je n'ai jamais fait de live donc je sais absolument pas comment ça marche. Donc je vais attendre deux petites minutes pour voir comment ça fonctionne et puis attendre vos réactions peut-être. Voilà, salut, coucou tout le monde. En fait, ça va être assez succinct et rapide. Du coup, merci beaucoup pour tous vos messages. Vraiment, ça m'a énormément touchée. Merci beaucoup aussi pour tous vos réactions, vos témoignages d'amour, notamment pour les comédiens qui ont joué dans le film. C'est vraiment très, 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 très réconfortant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, en fait, voilà. Là, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai un petit peu de temps. Du coup, je voulais vraiment vous le consacrer parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de questions concernant le film. Donc, Tempo, qui est le titre provisoire du film. C'est pas le titre définitif. Moi, je l'aime bien. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Coucou les dessous de Montmartre. Coucou, comment tu vas? Donc, j'attends aussi vos idées, vos participations. Je trouve ça assez sympa de faire participer le public aussi. Donc, je reste très, très ouverte par rapport au titre définitif du film. Si vous avez des idées comme ça qui vous passent par l'esprit, partagez-les avec nous. Alors, la question qui est beaucoup revenue, ce sont les prénoms des personnages principaux. Donc, le prénom de Kenza Morsley dans le film, son personnage s'appelle Sissi. Le prénom de Alors, le film va-t-il participer au festival de cinéma? Ben oui, j'espère vraiment que ce film va participer, il va tourner en festival de cinéma. Il va ensuite sortir au cinéma, donc on est en plein montage. Donc le film normalement sort vers le mois de mars, avril, voilà, vers ces eaux-là. Il va d'abord faire un tour en festival et puis il va être projeté dans des cinémas, bien sûr algériens. Pour moi c'est très 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 important parce que ce film est fait pour le public algérien prioritairement. Pour moi, c'est voilà, je veux que mon public, je veux que mon pays, je veux que mes gens voient ce film-là avant qu'il ne soit accessible ailleurs. Donc déjà, ça c'est très très important. Et puis bien sûr, participer avec dans des festivals pour faire connaître aussi notre travail, nos acteurs, nos comédiens et faire en sorte que notre investissement artistique puisse avoir un rayonnement à l'extérieur aussi. C'est une façon de défendre nos opinions et défendre notre image à l'extérieur. C'est très très important aussi. Après, j'espère que le film est Kounfou Moustawa, j'espère qu'il y a Jobcom, j'espère que voilà, après il y a des critères, enfin on verra tout ça. Donc pour l'instant on est en plein montage, on va pas mettre la charrue avant.